Salut tout le monde, c'est Superflou. On se retrouve pour une information. Donc j'ai essayé de faire des vidéos comme ça, information, si ça vous intéresse, où je vous montrerai en vidéo comment les informations qui vont être publiées. Donc j'ai une grosse information. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Xbox One, le chef des programmations, veut créer des groupes jusqu'à 64 personnes. C'est-à-dire en fait quand on parle en groupe d'amis sur Xbox One, on peut être à 12 voire un peu moins, et du coup maintenant il veut faire un groupe jusqu'à 64 personnes. Vous imaginez le bordel. Donc il y a plusieurs informations, je vais pas tout lire, vous allez regarder bien sûr, je vais pas vraiment tout lire, mais je trouve ça vraiment inutile, parce que déjà quand on est 3 ou 4 personnes dans le groupe, on a du mal à s'entendre, parce que t'as des personnes qui braillent, ou même quand t'as une personne qui gagne qui fait ouais. Hein, vous imaginez 64 personnes dans un groupe, moi ça me fait rire, parce que voilà. Donc cette information est sortie hier, donc le 15, mardi 15. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? À vous de me le dire en commentaire. Moi ça me fait rire, parce que je vois des trucs comme ça et je joue beaucoup en. Tout le monde en parle, ça fait le tour sur Facebook. Donc voilà, à vous de me dire en commentaire. Après, ils font prendre à la légère ou pas, je ne sais pas. Donc à vous de me dire ça dans en commentaire dans la vidéo. Donc moi je vais vous laisser un peu sur les images. Je vais vous faire descendre jusqu'en bas et comme ça vous aurez le temps de le lire. Si vous voulez voir d'autres informations comme ça, je veux un max de j'aime et un max de commentaires. Comme ça, je vais vous faire une autre vidéo. J'ai encore un peu, on va dire comme ça, j'ai du lourd à vous présenter. Donc, je veux un max de j'aime, un max de commentaires sur cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, bye bye, allez, salut.